Du cyclisme pour débuter ce résumé de l'actualité sportive du week-end sur les hauteurs du massif vosgien avec le retour du Tour de la Mirabelle, la plus prestigieuse course de Lorraine de classe UCI 2.2, une épreuve sur 4 jours avec une troisième étape samedi sur ces images entre Breuch en Haute-Saône et Saint-Amarin dans le Haut-Rhin qui a très largement emprunté les routes écoles du département, ici ceux de Sapois et de la Croix des Moinas, une étape de montagne donc remportée par le Britannique Robert Scott. Le coureur de la formation continentale Sungod endossait du même coup le maillot jaune de leader qu'il conservera jusqu'au bout. Côté vosgien, on retiendra les deux top 10 du Golbéen Louis Parfell, 32e du général, et les deux maillots distinctifs décrochés par l'Aulnois Maël Savignard du team organisateur McAdams Cowboys, dont celui du plus combatif dimanche après une échappée de 140 km. Clap de fin samedi soir pour le SAS Football qui bouclait sa saison de National 2 et sa collaboration avec Pascal Moulin par la réception de la réserve de l'AJ Auxerre, 7e à seulement 2 points derrière. Au-delà du classement, l'idée était surtout de bien finir à domicile, la dernière victoire au stade de la Colombière remontant au 28 mars. Parfaitement lancé par un premier but de Niankoro Doumbia dès la 8e minute, les Boutons d'Or ont doublé la mise au quart d'heure de jeu, profitant de l'attentisme des jeunes auxerrois sur cette balle à terre remise en jeu par l'arbitre et de la vélocité de Brian Labissière. Grâce à une nouvelle réalisation de Doumbia juste avant la pause, l'affaire sera pliée à la mi-temps et le score n'évoluera plus en seconde période. 3-0, le SAS termine donc sur une bonne note et pour la dernière du coach Pascal Moulin qui ne sera resté qu'une saison. J'étais convaincu que c'était une année de transition, l'objectif était trop élevé peut-être sur 10 mois où j'étais là. Avec à un moment donné, ça a été tous mes attaquants que j'ai perdus, ensuite les défenseurs. Donc les planètes n'ont pas été tout le temps alignées. Mais bon, voilà, on finit sur une bonne note. Je crois comprendre qu'on doit finir cinquième. Donc c'est plutôt, on va dire, encourageant. Mais bon, je n'aurai pas l'occasion de continuer avec ce groupe. La destination de Pascal Moulin reste à définir. Son successeur, lui, est connu depuis une dizaine de jours. Là encore, un ancien du SAS en tant que joueur et qu'entraîneur durant 5 saisons et demie, Fabien Tissot. Nous reviendrons plus largement sur ce comeback avec le principal intéressé ce lundi à 19h dans l'émission Côté Sport. Direction Mirecourt pour quelques images de karaté avec ce dimanche le retour de l'Open 88 en salle Claude Accard. Un peu moins de participants qu'attendus, mais tout de même quelques 150 licenciés issus de 28 clubs de toute la région Grand Est, dont des compétiteurs en para-karaté qui ont livré combat ou ont fait démonstration de leur technique en kata. Le club de la cité des luthiers était évidemment bien représenté par le biais notamment de Jennifer Thomas ici à l'image, sacrée championne du Grand Est des moins de 55 kg fin février. A noter encore la présence de Romane Bonnet, décédée Nancy, ici avec les Gants Rouges, première de la Coupe de France. Les Vosges comptent actuellement 18 clubs pour environ 500 licenciés. Course nature pour finir avec là encore un retour, celui de la Vilaine, 6e édition ce samedi soir à Ville-sur-Yon. Avec un peloton un peu moins fourni qu'avant la pandémie, quelques 250 participants, toutes courses confondues, soit deux fois moins qu'en 2019, mais une affluence appréciable pour les organisateurs de cette course conviviale avec deux formats accessibles, 10 ou 18 km à parcourir en solo ou en relais, à la lumière des frontales, passer la mi-course et avec des bâtons à LED pour passer l'arrivée. A noter sur ce grand format la victoire de Yannick Henrion, habitant de Ville à l'ouest des Vosges, son 5e succès en 8 courses cette saison devant Mickaël Warpi et Adrien Dos Santos, première féminine Marjorie Aubel. Prochain rendez-vous course à pied dans le département samedi avec l'ultra montée du Tétra et le défi 24 heures des plus de Stéphane Brognard à Gérardmer ainsi que le trail des chamois dimanche à Saulsure sur Moselotte. Suite dans l'émission Côté Sport avec l'ancien basketteur et désormais scout Didier Duvois, au cœur du projet avorté de relance de l'ASGE avec le SLUC, le nouvel entraîneur du SAS Football Fabien Tissot donc et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.